On est donc de retour après tout un tas de drops qui sont arrivés de manière ninja. Avec notre petit compagnon, nous avons plus ou moins réglé les petits problèmes et du coup nous sommes repartis pour l'aventure à la recherche de nouveaux donjons. On avait terminé le premier qui était au milieu d'un lac ou je ne sais quoi d'autre, puisque c'est en fait l'île du Mojumo et de ses frères qu'on peut voir en fait sur les côtés, ou alors c'est un Megazord désassemblé, au choix. Pour le moment, il nous reste 7 donjons à trouver quelque part dans l'univers de The Legend of Zelda sur NES après les 30 ans de la série sortie en France, et ça c'est beau jeunes gens, on repart à l'aventure de plus belle, nous sommes dans Breath of the Wild, l'aventure pure et dure, ah, le mode RP, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est tout de suite, en compagnie des Kazma. Je sais pas du tout où je vais, je pars à la recherche d'un nouveau donjon. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'on a gagné un nouveau cœur, et en fait le dragon qu'on a vaincu dans la première phase du coup c'était en fait un boss je suppose, mais il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une porte qu'on n'est pas allé voir. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un bateau? Non, c'est pas un bateau. Ok, s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'était cette planche verte, parce que là j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, foutez-moi la paix. Oh, une fée! Oh, une fée! Non! Il m'a remis un coup, je suis triste. Avec tous ces drops, on aurait pu faire un bon match de rugby. Non mais c'est clair, c'est clair. Ah oui, et il fallait qu'on s'achète un bouclier. Alors le problème par contre du bouclier, c'est que pour les personnes qui n'ont pas suivi... Ah oui, il y a cette vieille fois aussi. Le problème du bouclier, c'est qu'il coûte 130 rubis, et qu'on pêche au 1, 2 ou 5 rubis, et c'est pas la folie. C'est pas la folie parce que oui, les herbes, ça n'existait pas encore. Du coup, avant, il fallait les récupérer sur des ennemis. Et les ennemis, oui, ça court les rues, mais c'est pas pour autant que j'affronte tout le monde. Surtout pas des bulldogs. Ah, qui m'envoie des flèches. Ça n'a aucun sens. Ah, ça n'a aucun sens. Je m'en vais de cette incohérence. Oh, une fée de l'amour. Un genre de quai. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi. RP zéro village. Non, mais RP, vous me comprenez, quoi. C'est pas du RP, c'est de la survie. Voilà, c'est de la survie pure et dure, comme Breath of the Wild. On commence en caleçon. On est habillé, mais techniquement, on est en pyjama. On dort dans une grotte. Ah oui, parce que Link est SDF, en plus. Faut le savoir. Faut le savoir. Non, par contre, autant j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le background, mais c'est vrai que 30 ans après, ça fait mal au niveau repère, hein. C'est très dur de savoir où tu vas, et vraiment, je pense qu'il faut connaître le jeu par cœur pour ne pas se paumer. Oh bordel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Je suis dans une forêt qui a l'air infinie! Ah! Je t'ai pas basé. Mais what? Attendez, on est tombé dans un... Ok, il se passe un truc. Ah, c'est joli ça. On avait récupéré un bout de Triforce, et apparemment le bout de Triforce est venu compléter le logo Triforce. C'est joli. The Legend of Kazma, Trikazma. Je pleure parce que je sais pas où aller. Bordel, je suis coincé. Je suis perdu. Aidez le petit Kazma, s'il vous plaît. Ah, argent pour Kazma. Maison pour Kazma. Amour. Amour. On est sur une énigme. Il pourrait travailler à Little Link, ce serait génial. Il a un sanctuaire à lui tout seul avec un lit de type hyper confortable. Ah oui, attention, c'est vrai que dans Breath of the Wild, on commence dans un espèce de sanctuaire de l'amour. Mais c'est pas pour autant que c'est sa maison. Alors attends, si je reviens en arrière, ça fait quoi? Ah, si je reviens en arrière, je suis plus coincé. Mais du coup, est-ce que c'était la solution ou... Ça ressemble pas du tout à où j'étais il y a 2 minutes. Oh, c'est bizarre. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, oulala, non, c'est pas par là. Carotte pour Kazma, merci Kawaii. Oh, bordel. Ah, oh. Qu'est-ce que... Dégage! C'est la maison de la fée! Va-t'en. Va-t'en, monstre puant. Et du coup, il y a toujours pas de fée. Ah, mince. La fée est peut-être en vacances, ou peut-être en pause. Il est 22h10, ah ouais, peut-être qu'elle bosse plus. Ah, je sais pas où aller. Oh, une fée! Ah, mais c'est la même que tout à l'heure. SVP bébé Kazma malade. Moi, avoir été viré de Lidl. Oh, pauvre Kraft. Bah, 30 ans après, il a le temps de gagner un peu d'argent. C'est vrai. Ouais, il va pas se plaindre, je pense. Hein. Dans les jeux vidéo, il fait à chaque fois son pot, mais... En tant que star du game, je pense que, voilà. Je pense qu'il a de quoi se reposer sur ses lauriers. Non. Ah, il lançait des Hadoken là, hein. J'ai pas rêvé. Ok, allez, achète un truc. Mais non, je suis trop pauvre pour acheter quoi que ce soit. D'ailleurs, on pouvait acheter des flèches pour 80. Question, est-ce que la flèche, c'est l'arc? Qu'est-ce que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Là, il y a une énigme. Là, il y a... Ah, une énigme, bordel. C'est une énigme. Une énigme, une énigme, une énigme. Une énigme. Une énigme. Ok, Edouard. Haha. Attends. Parce que là, il y a trop d'ennemis à la minute. Ça va pas. Ok. Non, 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 non. Ok. D'abord les trucs qui tournent. Ensuite les armures. Non. Ok, c'est bon. Ah, ils font la technique du TGV. Non, j'ai réveillé une star. Ah, bah, bah, bah. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est vénère, lui? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais du calme! Il est sacrément énervé, lui! La vache! Enfin, je veux dire, les autres, ils étaient pas autant! Ah, évidemment. Ce boom monde ne sert à rien. D'accord. J'ai l'impression que c'est pas toutes les armures qui se vénèrent comme ça. Mais alors après, à savoir lesquelles se vénèrent et surtout pourquoi... C'est une très bonne question. Comment il m'a sandwich? Comment il m'a sandwich? Comment il m'a sandwich? Les autres, ils m'ont pas sandwich? L'arc est à trouver. D'accord, mais du coup, les 80 flèches, c'est quoi? Les 80 flèches, c'est... Parce que si c'est qu'une seule flèche, c'est un peu pauvre. Enfin, surtout le prix de la flèche, quoi. Après, non, c'est peut-être le carquois. Représenté du coup par une flèche. Mais c'est pas évident tout de suite. Non. Alors je sais pas pourquoi je retourne par là. Je ne devrais pas. Je suis en train de me faire avoir comme tout à l'heure. Mais non, attends. Si je vais par là, ça mène à un autre donjon. Alors attends. Ce que je peux faire... Je vois un donjon. Je vois un donjon. Attends. J'aimerais bien, voilà, trouver une zone safe. Ici, on est pas mal. Alors... D'après le donjon des arbres mots jumeaux de tout à l'heure. Ok, j'avais peur que ça m'atteigne. Ça me fait vraiment peur. Hein. On va se mettre comme ça. Il y a moyen de pécho un autre... Ah, mais je perds de la vie. Mais je perds vraiment de la vie. Il y a moyen du coup... Ah, de trouver un autre donjon. Ah, mais ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je vais mourir. Non, foutez-moi la paix. Ah, mais si. Si, si, si. Si j'atteins le donjon, je peux repop à l'intérieur si jamais. Comme ça, ça nous a le temps de refaire toute la route. Écoute, Lulu, Kazma. En fait, tu n'es pas obligé de tuer cela. Oui, non, mais je sais. Cela, comment ça, cela, les armures? Attendez, on parle de quoi? On parle des ennemis en général ou on parle des armures? Parce que si on parle des armures, je savais pas. Ah non, des tartes au citron qui volent. Bordel. Alors, apparemment, d'après ce que... Ah! D'après ce que je vois, par là, il y a un truc très intéressant. Je sais pas si ça m'apporte un truc au début, mais c'était très joli. Ah non, non, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu, c'est dangereux. C'est un endroit de type dangereux. Oh bordel, 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 mais je sais pas où aller. C'est par là. Je crois que c'est par là. Fuyons, mes frères, fuyons. Alors d'après la carte, oui, j'allais dire que c'est une espèce de tour de Babylone. Il y a un escalator. Il y a un escalator au milieu du désert. Je ne poserai pas la question de pourquoi. Bordel, il y a un escalator au milieu du désert. Ah, il y a un Lidl. Il y a un Lidl au milieu du désert. Ce mur de la difficulté. Ah, attends. Tac, 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 tac. Tac. Comment je passe, là? Tac, 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 tac. Oui! J'ai sandwich! Le game! Alors, j'ai cru voir qu'il y avait un donjon par là. Ah non, je me suis fait eu. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. C'est pas évident de se repérer. C'est aussi ça qui faisait la durée de vie. Mais oui, c'est pas évident. Alors attendez, on va essayer de se repérer par nos simples sens, en passant pas du tout par la même route, c'est tout à fait logique, et ainsi se perdre toujours plus dans les néants, enfin dans les néants, dans le néant du game. Oh bordel. Oh bordel, je sais pas où je suis. Je sais... Ah! Me suis fait sandwich. Arrêtez de me sandwich. Arrêtez de me sandwich. Après, ce qui pourrait être plus drôle, c'est vrai, c'est de le faire à la one again et tenter des routes au hasard. Mais honnêtement, enfin, je sais pas, en fait. Je pourrais, oui. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je suis déjà venu ici. C'est un magasin. Non? Oui. Oh, c'est un magasin. Très bien. Donc, c'est un lieu safe. Non! Le désert. Le désert, ah, je le reconnaîtrai entre mille.
Alors attendez. On va tenter de retourner au donjon où on était il y a 5 minutes. Histoire... Ah, de voir si... On peut prendre les escalators? Oui, on peut prendre les escalators. Très bien. Non mais c'est bien, comme ça au moins je suis prévenu, si jamais, parce que ça se trouve j'aurais pu y aller et au bout on m'aurait dit « Ah bah non, t'as pas ce qu'il faut pour monter l'escalator !» Et là ça aurait été très la tristesse. Non. Je me fais agresser par tout et rien. Fuyez! Fuyez! Fuyez, 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 c'était à gauche! C'était à gauche! Je vais mourir avant d'arriver! Je le sens tellement. Je sens tellement que je vais mourir avant d'arriver. Ah mais non, mais non, mais... Dégage l'escalier! Ah mais... Ah oui! Le sac qui m'attend à l'entrée! Oui! Ok! On est au donjon, on a donc atteint un checkpoint, quelque part. Nous sommes arrivés dans un nouvel antre. Et du coup, cette fois, nous avons des dragons rouges. Alors, je sais pas du tout si c'est des dragons. On dirait des... Non, je saurais pas dire, en fait. J'allais dire des les Alphos, mais je suppose que les Alphos n'existaient pas encore à l'époque. Il y a quelqu'un qui saurait me dire c'est quoi toutes ces bêtes? Savoir si ce sont des bêtes dangereuses, enfin, ou des bêtes divines, ou je sais pas. Peut-être des dragons? Peut-être des dragons? Parce que ça, ça ressemble pas à un dragon, ça ressemble à un Magikarp, mais... Avec des grandes dents. Un Magikarp dragon. Avec une crête en plus. Si ça, c'est pas le swag. Ça, c'est pas le swag. Coucou, personne qui arrive. Oh mon dieu! Mais comment ils sont vénères. Oh, trop bien ça. Oui! Ce pouvoir est génial. J'approuve ce pouvoir. J'approuve tellement ce pouvoir. Viens voir. Viens voir. Non! En fait, c'est ça. Dès qu'ils te voient, ils tracent. Ok. J'ai noté. On a un cœur et demi. Mais c'est un donjon, un serpent? Ah non. Ils me font peur, ils me font peur, ils me font peur. Ils squattent l'entrée. Ils squattent l'entrée, je peux pas passer. Bon. On va reprendre. On n'a rien vu. J'aurais pu passer à droite aussi, hein, mais... On a un nombre de clés à trouver à chaque fois. Bordel! Démon! Vile démon! Vile démon! Non! Je suis triste parce que je suis mouru. Mais heureusement, la magie du checkpoint veut que je reprenne à chaque fois du même endroit. Et ça, c'est bien. Du coup, il y avait quoi en haut? Bah, du coup, il y avait ça. Ah. Ok. Il y a une personne qui pourrait me dire c'est quoi ces portes? Moon, par exemple, si t'es encore là. Parce que j'aimerais savoir... Ah bah, c'est bon. Non, bah, c'est bon, en fait. D'accord. Donc, faut éliminer les ennemis pour passer les portes. Oula. Et ainsi trouver toujours plus de difficultés. Nyaha! Oula, oula, oula. Oh là là, oh là là, oh là là. Bah oui, mais je me suis fait sandwicher, t'es mignon. Tout ça pour une arnaque. Je n'approuve pas. Je n'approuve pas du tout, même. Alors par contre, c'est moi où les commentaires ont bugué. Ils t'ont entendu, je pourrais mieux te manger. Des flèches limitées. Ouais, c'est ça en fait, c'est un genre de carquois, mais carquois limité. Bon, c'est pas très RP, mais... Stahl? D'accord, Stahl est morte. On a perdu Stahl! On a perdu Stahl, on a perdu les gens. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Attendez, je vais relancer la page, c'est trop bizarre. Genre, il y avait plein de messages qui défilaient, puis pouf, plus rien. Alors ça se trouve, il y a tout le monde qui est en train de parler, mais... Qu'est-ce qui se passe? Déconnexion du chat. D'accord. Mais il se passe plein de problèmes. Mais je crois qu'il va y avoir de l'orage. Parce que depuis tout à l'heure, il y a de la pluie et tout, et ça commence à s'énerver dehors. À mon avis, on va pas live encore très longtemps. Il est 22h20. Allez, on dit qu'on finit ce donjon. On essaye peut-être d'en faire un troisième, puis à mon avis, ce sera bien pour soi. Ok, on a récupéré les gens ou pas? Impossible de se connecter au chat. Encore? Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Bon bah écoutez, vous qui verrez sûrement la rediffusion, actuellement, j'ai perdu le live. Voilà, on n'est plus en live. C'est devenu un let's play. Ah! Ah, j'ai perdu la communauté. Et Kazma, revenez. Je suis seul, j'ai peur. Il fait froid. Il fait froid, c'est humide. Non! Un cœur de l'amour. Bon, c'est trop bizarre, cette histoire. Si je relance encore la page? Si je relance encore la page, ça me dit quoi? Ah, ah! Ça marche nickel. Ok, c'est bon. Rebelote. Rebelote. Mais non, mais... Encore impossible de se connecter au chat.
Avec Kazma, je peux faire une pub avec Kazma Sandwich. Stal, je t'offre des farfales. Revis. Ah bah là, elle est mourue, elle est fatiguée. Mais en même temps, elle se lève tôt. Elle se lève tôt, puis elle se repose pas, et elle bosse beaucoup. Enfin, elle fait beaucoup de trucs dans la journée, du coup, à la fin, bleh, chaos. Alors, je vois les messages quand je relance la page. Mais une fois relancé, c'est mort. Pourquoi tu pourrais pas live quand il y aurait de l'orage? Non, je sais pas, hein, mais... Enfin, c'est pas la première fois qu'une fois qu'on fait un live alors qu'il y a de l'orage, ça fait n'importe quoi. Parce que là, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Non! Je pensais pas être enfermé! Ah, j'ai voulu faire demi-tour! Démon! Alors, je remarque que quand on est entre deux cases, les serpents, ça fuit quoi vers. Ah! Oui! Immortalité! Alors, par contre, l'immortalité, ce qui est dommage. Oui, bah, du coup, j'ai plus le chat, alors on va se dire ça entre nous. Ce qui est dommage. Avec le pouvoir de l'immortalité, enfin, quand t'arrêtes le temps là, c'est que. Ah, bordel, c'est quoi cette salle? Non! C'est que j'arrive pas à finir mes phrases, c'est que ça ne fonctionne que dans la salle où tu es! Et une fois sorti, ça marche plus! Non, je suis mouru! C'était quoi cette salle de la torture? C'était une salle de sadomaso. C'était une salle de sadomasochiste. Écoutez, je sais pas. J'ai vos messages quand je relance la page, mais alors en dehors, j'ai plus les messages. C'est très très bizarre. Vous savez quoi? On va se finir le donjon, puis après on va arrêter parce que j'ai l'impression que la connexion est en PLS pour ce soir. Ça m'embête en plus parce que moi je suis à fond, j'avais vraiment envie de continuer le jeu, il est vraiment pas mal. Honnêtement, il est prenant. Je sais pas si c'est le côté Zelda, c'est le côté aventure, mais franchement, il y a un truc, moi j'aime bien. Ah non, 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 oui! On passe! À la recherche de la carte. Oh, le combat! Le combat! Le combat! Le combat! Le combat! Non, non! Démon! Démon! Oui! Alors, je l'ai tué au cas où. Je suis à la recherche d'une clé. Viens là, poteau. Ok. Alors. D'après ce que je vois sur la carte qui n'apparaît pas, faut aller à peu près vers le haut. Et ce serait bien... Bordel, bordel, bordel. Je les aime pas, eux. Eux, je les aime pas du tout. Les serpents, ça va. Mais alors, l'espèce d'ogre, là, je suis pas fan. Oui, la carte! C'est ce que je voulais! Oui! C'est un croissant. C'est un croissant, une lune, au choix, en fait. Mais, d'accord. Donc, maintenant, j'ai la carte. Maintenant, j'ai le compas. Maintenant, je sais où aller. Bah bien! On va relancer la page. Voir si ça fonctionne. C'est très chiant, cette histoire. Du coup, j'ai l'impression que le live plante, en fait. C'est très énervant. Bonne nuit à ceux qui s'en vont, bisous à ceux qui arrivent, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, c'est très important, et sur Discord, parce qu'on s'amuse bien, on est tous très rigolos, c'est dans la description, ainsi que les tweets, mais ouais, surtout, n'hésitez pas. Les gouttes d'eau, on dirait des dragibus. Oui, c'est vrai de ouf, en plus. Ah, je les aime pas, les gros. Foutez-moi la paix. Alors, par contre, le boomerang, c'est tellement l'objet inutile, je trouve. Ah mais il faut faire un truc avec le... Ah blablabla. La technique des deux cases. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dis nope. Je dis nope. Je dis nope. Ah, ça aussi je dis nope. Non, non, non. Il y a des pièges, je dis nope. Même pour une bombe, j'en veux pas. Ah, comment je passe? Comment je passe? Casse-toi! Casse-toi! Ouais, voilà. Méchant Snake. Oh, j'aime bien. Non. Venez vous pointer devant mon épée. Oui, une fée. Oh, la fée, je dis oui. La fée, oui. La fée de l'amour. Apparemment, les fées sont totalement aléatoires. Je pensais qu'elles étaient scriptées, mais pas du tout. Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'avais récupéré l'épée laser. En fait, les gouttes d'eau, je me demande si c'est pas des slimes. Mais genre des slimes animés très simples. J'ai cru que le... Attends. C'est moi ou le chat il s'est reconnecté? Attends, j'ai vu un message. J'ai vu un message. Kazma, êtes-vous de retour? Y a pas de lien Discord dans la description. Ah, il est plus? Ah oui, non! Non, non, attendez, attendez, attendez. Mister Kawaii, tu veux bien t'en occuper parce que le Discord, je l'avais mis et je l'ai retiré parce que la dernière fois, c'était pas le bon. Du coup, ça fonctionnait pas. Je te remercie. Qu'est-ce que ce bordel? Dodongo et la fumée. Ah non, il est la fumée.
Enfin, il aime pas la fumée. D'accord, mais oui. Des bombes, je suppose. Oui, oui, c'est logique jusque-là. Oui, il aime la fumée. Bah écoute, je sais pas. Dodongo n'aime pas la fumée. Voilà. Dodongo n'aime pas ceux qui fument. Il est contre la cigarette, il est contre Marlboro. Non. Foutez-moi la paix. Ah ! J'ai peur. Hiya ! Hiya ! Oh, oui ! Oui, l'épée laser ! Oui, une bombe en plus ! Ah, attends. Ah non ! Même pas une bombe, 4 bombes. Et ça, c'est très très bon. Ah, attends. Là. Ah, oui, nickel. Ok, on a des bombes, on a une épée laser. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît bien. C'est dommage parce qu'en fait, je suis en train de partir en LP. Oh bordel, c'est un dinosaure. Mais il est tout mignon, mais je vais pas attaquer ce truc. Mais non, mais il est tout mignon. Alors par contre, il a un cul d'enfer. Ah, ah, ah. Ça me paraît bien. Non. T'es méchant. Ça a marché? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il les mange? Il les mange? On l'a eu. On l'a eu, j'ai pas... Ok. J'ai eu un peu du mal à comprendre en fait, parce que par les fesses ça faisait pas grand chose. Mais la première fois qu'il l'a mangé, ça a pas bien fonctionné. Et la seconde fois, oui. Du coup, je suis content. J'ai pas compris ce boss. Il était mignon. Il était très mignon, ça m'a fait un peu mal de le tuer. Ah, j'avoue, c'était un peu blessant. Oh, le deuxième fragment de la Triforce. Oh, attendez, parce que ça me perturbe cette histoire. Nous voici à la fin du deuxième donjon. Les ruines de... C'est fait. Alors, attendez. Ah non, j'ai activé plein d'armures, c'est pas du tout ce que je voulais. Bordel, c'est chiant ces trucs. Alors, attention, voilà. Je me mets en zone de sûreté, je vais tenter de redémarrer le chat, mais si jamais, jeunes gens, je crois qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, je regarde si ça se réinitialise, si ça se relance, si c'est mort. Bon, bah écoutez, c'est mort. Et bah écoutez, jeunes gens, c'est pas grave, il est 22h20, 22h30, on va s'arrêter ici pour ce soir. Ce fut bref, mais agréable, écoutez, ce fut bien sympa. Je suis très content, j'aime beaucoup Zelda, si jamais vous voulez la suite, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à me le dire dans les commentaires. Que je vais essayer de relancer, n'hésitez pas à me le dire quelque part sur Discord, Skype, Twitter, surtout pas Facebook parce que en ce moment je suis pas du tout dessus. Mais voilà, on découvre un jeu qui a 30 ans cette année, enfin 30 ans avec sa sortie en France, mais honnêtement c'est un jeu à faire. Je pense que pour tout fan qui se respecte et surtout de rétro gaming, je pense que c'est une obligation que d'essayer ce jeu. Je vous fais de gros bisous, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, Mr. Kawaii, Stal qui s'est endormi à la modération, je suis désolé. Bref. Remerciements à tout le monde, aux personnes qui regarderont sûrement la rediffusion. Je vous fais de gros bisous, on se retrouvera très bientôt pour la suite. Et puis cette fois, eh bien, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de perte de chat et d'autres choses. Bref, gros bisous tout le monde.